un an plus tard, parce que M. Fouché a mis une condition, il faut que tu aies des moyens d'existence. Un poète, ça n'a pas de moyens d'existence. Et les Bourbons et Louis XVIII a promis une pension à Victor Hugo, parce que Victor Hugo, c'est le poète du régime. Victor Hugo, c'est le poète qui chante sans arrêt les fastes de la monarchie, le drapeau blanc, la Vendée, Louis XVI, Marie-Antoinette, Louis XVII. Alors les Bourbons doivent bien une marque de leur reconnaissance à Hugo. Et voilà qu'arrive la pension tant attendue. Il aura 100 francs par mois. Avec 100 francs par mois, on peut vivre très mal, mais on peut vivre. Monsieur Fouché dit oui. Et voilà Victor et Adèle qui se marient à Saint-Sulpice. Ils n'ont pas 40 ans à eux deux. Extrait des Feuilles d'automne, un poème écrit en pensant aux lettres d'amour adressées à Adèle Fouché lorsque Victor Hugo avait 18 ans. Ô mes lettres d'amour, de vertu, de jeunesse, c'est donc vous. Je m'enivre encore à votre ivresse. Je vous lis à genoux. Souffrez que pour un jour je reprenne votre âge. Laissez-moi me cacher, moi, l'heureux et le sage, pour pleurer avec vous. J'avais donc 18 ans. J'étais donc plein de songes. L'espérance en chantant me berçait de mensonges. Un astre m'avait lui. J'étais un dieu pour toi quand mon cœur seul, jeune homme. J'étais donc cet enfant, hélas, devant qui l'homme rougit presque aujourd'hui. Que vous ai-je donc fait aux mes jeunes années pour m'avoir fui si vite et vous être éloigné, me croyant satisfait? Hélas, pour revenir m'apparaître aussi belle quand vous ne pouvez plus me prendre sur vos ailes, que vous ai-je donc fait? Oh, quand ce doux passé, quand cet âge sans tache avec sa robe blanche où notre amour s'attache, revient dans nos chemins, on s'y suspend. Et puis, que de larmes amères sur les lambeaux flétris de vos jeunes chimères qui vous restent aux mains. Ils sont mariés, ils habitent un petit appartement rue de Vaugirard, minuscule. Un peu plus tard, ils iront rue Notre-Dame-des-Champs. C'est un adorable petit ménage, avec une réserve, mais personne ne le sait. La nuit de noces, Hugo qui s'est marié vierge, et c'est quelque chose que j'admire parce que il savait qu'elle serait vierge et il s'est dit à lui-même, si elle l'est, pourquoi pas moi? Et on peut supposer, nous qui connaissons l'avenir, que si à 80 ans, Victor Hugo manifestera encore un tempérament dont les dames parleront avec admiration, à 18 ans, c'était mieux encore. Donc saluons cet héroïsme, mais malheureusement, pendant la nuit de noces, nous savons tout sur Victor Hugo, même ça. Il a voulu prouver sa passion à sa jeune épouse 9 fois. C'est beaucoup, c'est trop. Songez qu'elle ne savait rien de la vie, qu'elle ignorait tout, que
Il lui écrivait encore quelque temps plus tôt que leur amour se situerait toujours dans les étoiles. Et en fait d'étoiles, qu'est-ce qu'elle découvrait dans son lit? Elle en a subi, nous en sommes certains, un traumatisme qui a duré tout le temps de sa vie sentimentale et sexuelle, et qui expliquera que, un peu plus tard, mais n'anticipons pas. Alors c'est que les amis qui viennent les voir rue Notre-Dame-des-Champs admirent, c'est justement ce ménage idyllique, les enfants qui sont venus, Léopoldine, Charles, François-Victor. Et à moins de 25 ans, ce jeune homme rayonnant, qui est déjà chef d'école, il a fondé le romantisme, il en est le chef. Et c'est la réaction contre le classicisme agonisant, contre ce théâtre et cette poésie qui, deux siècles après, veut se réduire aux règles fixées au temps du roi Soleil. Vous savez, un jour, un colonel qui avait fait la retraite de Russie avait dit à Stendhal, « Monsieur Stendhal, depuis que j'ai fait la Bérésina, Iphigénie n'a plus pour moi les mêmes attraits. » Mais oui, ça se comprend, ces gens avaient vécu, avaient traversé les orages de la Révolution et de l'Empire, ils avaient besoin en poésie, en roman, en drame, en théâtre, ils avaient besoin d'autre chose. Le mot vient de m'échapper, drame. Mais oui, ils en étaient toujours à la tragédie, et ce qu'ils attendaient, c'était le drame. Et le drame, c'est Victor Hugo qui va en fixer les lois. Alors, ce sont tous ces jeunes gens qui viennent rue Notre-Dame-des-Champs qui sont le romantisme. Et j'admire que, dans le même temps, au même endroit, il y ait là le jeune Alfred de Vigny, qu'il y ait là le jeune Balzac, qu'il y ait là le jeune Mérimée, le moins jeune à peine Lamartine, le jeune Théophile Gautier, le jeune Berlioz, parce que le romantisme c'est aussi la musique, le jeune Delacroix, parce que le romantisme c'est aussi la peinture, ils sont tous là. Et c'est étonnant. Et voilà que vient sonner un jour, à cette porte, un jeune critique. Oui, il fallait qu'il y eût un critique. Et ce critique s'appelle Sainte-Beuve. Il a écrit un article, mi-figue, mi-raisin, il faut le dire, sur le dernier volume de Hugo, volume de poèmes, odes et poésies diverses. Et Hugo est allé le remercier. Il s'est aperçu que Sainte-Beuve habitait à côté. Et Sainte-Beuve est venu le remercier, de l'avoir remercié. On était très polis à cette époque-là. Et il existe des coups de foudre en amour, nous le savons bien sûr, mais moi j'ai dit qu'il existe des coups de foudre en amitié. Et ces deux hommes qui ne se connaissaient pas, ces deux jeunes hommes, vont devenir inséparables très vite. Ils ne peuvent plus se quitter. Chaque fois que Hugo écrit un nouveau poème, il faut qu'il le lise à Sainte-Beuve. Chaque fois que Sainte-Beuve écrit un nouvel article, il faut qu'il le lise à Hugo. Et c'est charmant, et cela nous séduit. Mais voilà, c'est que Sainte-Beuve ne peut plus se passer d'Hugo, il vient tous les jours, même quelquefois deux fois par jour. Mais Hugo travaille. Quand nous consultons la liste de ses œuvres complètes, devant l'immensité de l'œuvre accomplie, nous en déduisons facilement qu'il a travaillé tous les jours que Dieu lui a donnés. Alors, souvent, quand Sainte-Beuve se présente, la petite servante, oui, ils sont très pauvres, mais ils ont une petite servante. À cette époque-là, on avait des petites servantes, même si on n'avait pas d'argent, c'est bien simple, on ne les payait pas. Et la petite servante dit, monsieur s'est enfermé dans son cabinet de travail et interdit qu'on le dérange. Alors, Sainte-Beuve qui est très, très désolé, et qui pose la question, et madame? Ah oui, et madame. Eh bien, Adèle, si c'est l'été, est dans le jardin. Il y a un jardin au bas de l'immeuble. Elle en a l'accès. Ils sont au premier étage. Elle est dans le jardin avec les enfants. Et si c'est l'hiver, elle est dans le petit salon avec les enfants. Et Sainte-Beuve la rejoint. Alors, il faut que je parle de Sainte-Beuve. Il est le contraire de Hugo. Hugo est resplendissant, rayonnant, superbe, très beau. Lui, il est étroit, chafouin, très laid. Et il connaît sa laideur. Et il est paralysé par cette laideur. Il est tout petit. Et il n'a jamais connu de femme, sauf des prostituées, parce qu'il n'ose pas parler à une femme. Il n'ose pas. Et là, devant cette femme, qui est la femme de son meilleur ami, il parle à cette femme. Et lui dit tout ce qui est en lui, ses pensées, ses souhaits, ses espoirs, il le dit. Et il trouve ça très doux de pouvoir se livrer ainsi à une femme, devant une femme et pour une femme. Et elle, Adèle, elle est toujours l'épouse aimante de son mari, bien sûr. Mais ce mari, il ne le voit pas. Le matin, quand elle s'éveille, il est très matinal, il est déjà dans son cabinet de travail, il travaille, il écrit. L'après-midi et le soir, il sort. Vous savez, on n'est pas chef d'école sans avoir des obligations, il est partout. Il rentre très tard dans la nuit, elle dort. Il l'éveille toujours, il n'est pas sûr qu'elle aime être réveillée toujours. Elle n'a personne à qui se confier, à dire, elle aussi, tout ce qu'une femme a envie de dire,
Chagrin, bonheur, espoir, illusion, rêve, tout. Nous avons tous besoin, hommes et femmes d'ailleurs, de parler à quelqu'un de proche et de cher. Et elle parle, mais maintenant elle parle à Sainte-Beuve. Et elle trouve très doux également de parler à Sainte-Beuve. Et moi je dis que quand une telle intimité se crée sous un toit conjugal, il y a grand péril sous ce toit-là. Alors Hugo ne voit rien. Ah, Hugo ne voit rien parce qu'il travaille. Et il a écrit Cromwell, le premier drame romantique que Talma lui avait demandé. Puis Talma est mort, on n'a pas pu le jouer. D'ailleurs, la pièce est tellement immense, tellement longue, avec tellement de personnages qu'on ne peut pas la jouer, on ne la joue pas davantage aujourd'hui. Alors il l'a publié et il a donné une préface à Cromwell. Et cette préface a été un événement considérable parce que cette préface, ce sont les lois du théâtre romantique. Et les écrivains et les poètes du temps diront tous avoir vécu avant la préface de Cromwell ou après. Mais il a voulu ensuite mettre ses lois en action. Il a écrit une pièce jouable, Marion Delorme. Cette pièce, il l'a achevée. Elle a été reçue à la Comédie Française. Et puis, c'est la censure qui l'a interdite parce que le héros, à part Marion Delorme, courtisane au grand cœur, comme toutes les courtisanes de Hugo, le héros, c'est Louis XIII. Et Louis XIII est présenté sous un jour très fâcheux. On est maintenant sous Charles X. Et on s'est dit, les gens vont reconnaître Charles X. Alors on a interdit la pièce. Hugo était furieux. Hugo a bien évolué depuis son royalisme. Il a évolué depuis la mort de sa mère, parce qu'il a découvert son père, enfin. Le vieux grognard, il l'a rencontré. Et il a été séduit par ce brave homme. C'était un brave homme qui n'avait qu'un élément et qu'un moment de fureur et de colère, c'était sa femme. Mais pour le reste, c'était un très brave homme. Et en plus, passionné de poésie, il a écrit des centaines de vers, il a écrit je ne sais combien de brochures. C'est un écrivain, le général Hugo. Et voilà que le père et le fils tombent dans les bras l'un de l'autre et ils s'adorent. Et le père raconte à son fils ce qu'a été l'épopée. C'est ce million d'hommes qui a suivi les trois couleurs pendant 15 ans sur les routes de l'Europe, qui a apporté la liberté à l'Europe. Et voilà que Victor comprend qu'il y a autre chose que le drapeau blanc. Et il va écrire en plein règne des Bourbons l'ode à la colonne pour venger l'honneur des vieux soldats de l'empereur. Vous savez, on vous dira, et on le dit, c'est un cliché, que Hugo est un opportuniste et qu'il change d'idée selon les régimes. Il n'a pas attendu 1830 pour vibrer devant le drapeau tricolore. C'est bien avant, et avant même 1830, eh bien, il a écrit un texte fulgurant sur un jeune poète, Charles Doval, assassiné, je dis bien assassiné, dans un duel, où il a parlé de la Révolution, parlé de la Révolution littéraire du romantisme, qui, dans son esprit, accompagne la révolution de 89. Le voilà venu à adhérer aux idées de 89. Et comment voulez-vous qu'au milieu de tout cela, il s'aperçoive qu'une idylle se passe sous son toit? Il est en train d'écrire une nouvelle pièce, et cette pièce s'appelle tout simplement Hernani. Voici les trois premières strophes écrites en 1827 de l'ode à la colonne de la place Vendôme qui fut coulée dans les bronzes des canons de la Grande Armée. Ô monument vengeur, trophée indélébile, bronze qui, tournoyant sur ta base immobile, semble porter au ciel ta gloire et ton néant. Et de tout ce qu'a fait une main colossale, seule est restée debout. Ruine triomphale de l'édifice du géant. Débris du grand empire et de la grande armée. Colonne d'où si haut parle la renommée. Je t'aime. L'étranger t'admire avec effroi. J'aime tes vieux héros sculptés par la victoire. Et tous ces fantômes de gloire qui se pressent autour de toi. J'aime avoir sur tes flancs, colonnes étincelantes, revivre ces soldats quand leur onde sanglante ont roulé le Danube et le Rhin et le Pô. Tu mets comme un guerrier le pied sur ta conquête. J'aime ton piédestal d'armure et ta tête, dont le panache
est un drapeau. Hernani. Il faut parler d'Hernani, bien sûr, parce que Hernani, c'est le grand moment du romantisme, c'est le moment où le romantisme va l'emporter, c'est également un clivage essentiel dans la vie de Victor Hugo. Alors la pièce, il l'a terminée, elle est reçue par la Comédie française, la censure, après quelques velléités, l'a laissée passer, on va la mettre en répétition, c'est fait, et elle va être représentée. Et Hugo sait qu'il va devoir se battre. Ce n'est pas par hasard qu'on parle de la bataille d'Hernani. Parce que les classiques occupent en force le théâtre de la Comédie française et ils ne sont pas disposés à laisser ces jeunes hurluberlus de romantiques entrer dans cette enceinte sacrée. Alors, puisqu'il faut se battre, on se battra. Et Hugo, qui est un stratège, mobilise. Il mobilise qui ? Les jeunes romantiques de Paris, qui sont non seulement des poètes, mais aussi des jeunes peintres. Par exemple, c'est Théophile Gautier qui, à l'époque, est peintre avant d'être poète, va amener là quantité de jeunes peintres. Il faut imaginer le petit appartement de la rue Notre-Dame-des-Champs où toute cette jeunesse romantique se rassemble. L'immeuble n'est pas grand, il a été acheté par un couple de commerçants retraités qui habitaient au rez-de-chaussée et qui sont là pour finir leur vie, ont-ils dit, dans la tranquillité. Dans ce cas-là, ils ont eu tort de louer à Victor Hugo, parce que de jour et de nuit, il y a une cohorte épouvantable de romantiques qui montent l'escalier en chantant d'ailleurs. « Portier, je veux de tes cheveux », ça empêche de dormir le couple de commerçants. La nuit, ça dure à une heure avancée de la nuit. Et alors là, il faut les voir. Alors, ils entrouvrent la porte, ils tremblent de peur. Théophile Gautier a des cheveux jusqu'à la ceinture. Certains sont habillés en chevaliers du Moyen-Âge. D'autres ont des collerettes en étroit. Enfin, tout ça sont des provocateurs, bien entendu. La jeunesse qui veut démontrer quelque chose, qu'est-ce qu'elle fait? Elle provoque. Nous avons connu ça de notre temps pour bien des aventures. Eh bien, ils font ça. Et c'est sympathique, c'est extrêmement sympathique, mais ça terrifie les petits commerçants. Alors, ils arrivent dans le salon, et ils ont soif, parce qu'il faut aussi savoir qu'un romantique, par définition, ça a soif. Et ils trouvent Adèle avec une cruche de vin à la main, qui est vaillante, souriante, elle fait face à tout, à toutes les heures du jour et de la nuit, elle verse à boire, à crédit, parce qu'ils sont complètement au bord du précipice financier. La veille de la bataille d'Hernani, il y aura 50 francs chez les deux. Et il y a une fièvre, Hugo refait sans cesse le plan de la salle, car la stratégie, c'est d'encadrer chaque classique trop dangereux. On sait très bien où on va les asseoir par des romantiques qu'ils font taire, le cas échéant. Ce qui s'appelle la liberté du théâtre. Et il y a un homme qui est là, qui assiste à tout ça, mais qui ne participe pas de cette fièvre et de cette exaltation. C'est Saint. Le petit Saint-Beuve qui est là dans un coin. Et qui regarde Adèle. Parce qu'il sait. Il sait qu'Adèle est enceinte. Une fois encore, ce n'est que 2-3 mois, ça ne se voit pas, mais il le sait. Et il la voit très fatiguée, il la voit avec des cernes qui s'agrandissent sur son visage. Elle sourit, mais elle est épuisée. Et tout à coup, il éclate. Il va trouver Hugo. Il dit, mais enfin, Hugo, vous ne voyez rien. Enfin, Hugo, cette femme digne de toutes les vénérations. Mais vous la tuez, Hugo. Et c'est grave le ton qu'il emploie à son nom. N'importe qui se rendrait compte qu'il y a quelque chose. Mais pas Hugo. Il ne comprend rien, Hugo. Il se conduit comme un mari ordinaire. Et il dit à Sainte-Beuve, merci, cher Sainte-Beuve, je vais dire à Adèle d'aller se reposer. C'est pas ça du tout qu'il aurait dû dire. Et Adèle, eh bien Adèle, dans ce temps-là, est prise sans cesse de crises de larmes, sans motif. Elle est heureuse. Je suis très heureuse. Je suis la femme
poète qui a du génie, que tout le monde admire, qui est célèbre. Il m'adore. J'ai des enfants beaux, intelligents, qui nous aiment. Et pourquoi est-ce que je pleure comme ça? Oui, elle peut bien se poser la question parce qu'une femme qui pleure sans raison est une femme qui, sans le savoir, attend autre chose. Et la bataille d'Hernani a lieu, vous le savez que c'est une énorme victoire. Pourtant, on a manifesté toute la soirée, ça a été insensé, les classiques hurlaient à chaque vers, les romantiques hurlaient plus fort pour applaudir, les uns criaient « Assez, dehors, les autres, bravo, c'est génial !» Enfin, c'est une soirée inoubliable, et à la fin, ça a été un immense triomphe. Et Chateaubriand a écrit, Chateaubriand, l'idole des 15 ans de Hugo, vous savez que à 15 ans, Hugo a écrit dans son journal « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Et Chateaubriand a écrit à Victor Hugo pour reconnaître en lui son successeur, son héritier. C'est une victoire. Mais au lendemain de la bataille, Sainte-Beuve est revenue au Notre-Dame-des-Champs. Et un soir, nous savons que la nuit venait de tomber. On avait apporté les lampes. Et Sainte-Beuve a dit à Adèle qu'il l'aimait. Elle n'était pas sans avoir pressenti cet aveu. Vous savez, une femme devine toujours ces sortes de choses. Mais elle n'était pas prête à lui répondre. Et elle lui a dit, vous avez un ami en Normandie, Ulric Guttin, je vais vous parler sans cesse de lui. Partez, mon ami, allez le rejoindre. Partez, je vous le demande. Et il est parti. Disons qu'ils ne sont pas mal, ces deux-là. Et quelque temps plus tard, c'est la révolution de 1830. Le peuple de Paris qui s'insurge pour chasser du pouvoir le vieux roi Charles X et le remplacer par Louis-Philippe. Il y a beaucoup de morts, on se bat pendant 3 jours. C'est ce qu'on appelle les Trois Glorieuses. Et pendant ces 3 jours, Adèle en profite pour accoucher au son du canon. Parce que, disons-le franchement, les Hugo font rarement les choses comme tout le monde. Et c'est une petite fille qu'on appelle Adèle, comme sa mère. Et Hugo a vu surgir dans les rues de Paris ce drapeau tricolore qui est celui de son enfance, qui est celui de son père, le père qu'il a perdu et qu'il a pleuré comme il avait pleuré sa mère. Et son cœur a battu très fort. Sainte-Beuve est rentré, lui, parce que tout de même, en temps de révolution, la place d'un journaliste est à Paris. Et il va voir arriver Hugo, qui lui annonça la naissance de la petite Adèle, félicitations, et qui lui dira « Voulez-vous être le parrain ?» Problème pour Sainte-Beuve. Il ne peut pas refuser, ce serait éveiller les soupçons du mari, peut-être. Et s'il accepte, où va-t-on? Il est bien obligé d'accepter. Et c'est Adèle, semble-t-il, qui a eu l'idée de ce parrainage. Avouez que les femmes sont quelquefois imprévisibles, parce que Adèle, quelque temps plus tard, avait dit à Sainte-Beuve, lui avouant son amour, « Partez !» Et maintenant, elle lui dit carrément, « Revenez, parce que un parrain viendra voir sa filleule, et c'est ce qui se passe, et voilà qui revient. » Hugo, lui, s'est enfermé. Il s'est enfermé dans son cabinet de travail, parce qu'il a un contrat avec un éditeur pour un roman, et je vais vous donner le titre, ça évite bien des explications, c'est tout simplement « Notre-Dame de Paris ». Nous sommes en septembre 1830, il n'en a pas écrit une ligne, il doit livrer le manuscrit le 1er février 1831, sans ça, il paye un dédit considérable dont il n'a pas le premier sou. Et il va écrire cet immense roman en moins de 5 mois. Alors il s'est enfermé, interdiction totale d'entrer dans son bureau. Pour être sûr de ne pas être tenté de sortir, il a réuni ses vêtements dans une armoire, il a fermé l'armoire à clé, il a jeté la clé par la fenêtre. Et il travaille dans un tricot, un étrange tricot de laine grise qui lui prend depuis le cou jusqu'aux chevilles. Et il travaille sans arrêt, interdit d'entrer. Et pourtant, au mois de décembre, voilà que la petite servante, toujours elle, frappe à la porte, entr'ouvre la porte. « Qu'est-ce que c'est ? Mais j'ai dit !»« Pardon, monsieur, » dit la pauvre fille. « C'est monsieur Sainte-Beuve qui veut... »« Ah, si c'est Sainte-Beuve, l'ami, qui l'entre. » Et qu'est venu dire Sainte-Beuve à Hugo ? Il est venu lui dire, « Hugo, j'aime votre... C'est pour ça que je ne reviendrai plus vous voir. Je ne reviendrai plus dans cette maison. » Et disons que la démarche de Sainte-Beuve est belle. Et ce qui se passe ensuite est étrange. Preuve que Hugo, dont la profession est d'analyser le cœur féminin, dans ses poèmes, dans ses romans, dans ses pièces, il fait cela sans cesse, mettant des hommes et des femmes qui s'aiment face à face, allant jusqu'au bout de leurs secrets. Eh bien, lui, Hugo, va se conduire comme un homme qui ne saurait rien de la vie et rien de l'amour. Et il va simplement dire à Sainte-Beuve, « Cher Sainte-Beuve, dès le moment où vous avez fait cet aveu, vous êtes guéri.
Je vous demande de continuer à revenir chez nous. » Et ce jour-là, Hugo a lui-même, de ses propres mains, forgé son avenir. De l'acte 1er, scène 4 d'Hernani. Hernani laisse éclater sa haine envers le roi Don Carlos, dont il aime l'épouse de Diasol. Don Carlos, prenant à part Hernani. Je vous ai fait l'honneur de toucher votre épée, monsieur. Vous me seriez suspect pour 100 raisons, mais le roi Don Carlos répugne aux trahisons. Allez, je daigne encore protéger votre fuite. Don Ruy Gomez. Qu'est-ce, seigneur ? Don Carlos. Il part. C'est quelqu'un de ma suite. Ils sortent tous avec les valets et les flambeaux, le duc précédant le roi, une cire à la main. Hernani seul. Oui, de ta suite au roi, tu l'as dit. Oui, j'en suis. Nuit et jour, en effet, pas à pas, je te suis. Un poignard à la main, l'œil fixé sur ta trace, je vais. Ma race en moi poursuit en toi ta race. Et puis, te voilà donc mon rival. Un instant entre aimer et haïr, je suis resté flottant. Mon cœur pour aller toi n'était point assez large. J'oubliais en l'aimant ta haine qui me charge. Mais puisque tu le veux, puisque c'est toi qui viens me faire souvenir, c'est bon. Je me souviens. Mon amour fait pencher la balance incertaine et tombe tout entier du côté de ma haine. Oui, je suis de ta suite et c'est toi qui l'as dit. Là, jamais courtisan de ton lever maudit, jamais, seigneur, baisant ton ombre ou majordome, ayant à te servir abjuré son cœur d'homme, jamais chien de palais dressés à suivre un roi ne seront sur tes pas plus assidus que moi. Ce qu'ils veulent de toi, tous ces grands de Castille, ces quelques titres creux, quelques hochets qui brisent et quelques moutons d'or qu'on va se pendre au cou. Moi, pour vouloir si peu, je ne suis pas si fou. Ce que je veux de toi, ce n'est point faveur vaine, c'est l'âme de ton corps, c'est le sang de tes veines, c'est tout ce qu'un poignard furieux et vainqueur en y fouillant longtemps peut prendre au fond d'un cœur. Va devant, je te suis, ma vengeance qui veille, avec moi toujours marche et me parle à l'oreille. Va, je suis là, j'épie et j'écoute, et sans bruit, mon pas cherche ton pas et le presse et le suit. Le jour, tu ne pourras au roi tourner la tête sans me voir immobile et sombre dans ta fête. La nuit, tu ne pourras tourner les yeux au roi sans voir mes yeux ardents luire derrière toi. Notre-Dame de Paris vient de paraître, Hugo a livré son manuscrit dans les temps, et immédiatement le succès est immense. Tout le monde veut lire Notre-Dame de Paris, on se bat pour acheter des exemplaires chez les libraires. C'est foudroyant, c'est le triomphe. Et évidemment, Hugo rencontre beaucoup d'envieux. Il y a des critiques franchement mauvaises, comme ça arrivera toute sa vie pour Hugo. Les critiques ne l'aiment pas en général.
Malgré tout, ce qui compte, c'est le succès. Et Hugo, pour la plupart des Français, c'est l'homme le plus heureux du monde, on se dit là tout. Comment savoir que ce triomphateur est en réalité l'homme le plus malheureux du monde? Sa femme le trompe, oui, c'est fait. Nous savons même où ça se passe. Sainte-Beuve a loué un appartement, un très petit appartement, cours du commerce, et c'est là qu'elle le rejoint. Hugo le saura presque aussitôt, et Hugo sera un homme perdu. N'oublions pas qu'il s'est marié vierge pour elle. N'oublions pas que depuis le début de leur mariage, il ne l'a jamais trompée. Elle est la seule femme de sa vie. Alors, d'un seul coup, cette femme lui fait défaut, et le voilà au bord du gouffre. Il y a quelques notes terribles, affreuses à lire. Hugo, toute sa vie, va noter ses impressions. Et ses carnets intimes sont un document inestimable pour la connaissance de sa vie, de son personnage, de ses secrets. Hugo écrit « Il n'y a rien de plus affreux qu'un homme qui aime une femme et qui sait que cette femme-là ne l'aime plus. » Je crois que peut-être c'est le plus grave, l'acte physique de la tromperie. Peut-être que Hugo n'y a pas cru. Il faut l'espérer. Mais il a su que sa femme ne l'aimait plus. Il a su qu'elle en aimait un autre. Et sûrement Hugo aurait sombré définitivement, bien plus encore qu'au moment où sa mère le séparait de Adèle, sa fiancée, parce qu'il est plus mûr, parce qu'il sait plus de choses, parce qu'il est plus loin dans la vie. Et pour non pas oublier, il ne pourra jamais oublier, mais pour survivre, il y a eu le travail. Un jour, Sacha Guitry dira, s'adressant à des jeunes gens, leur donnera ce conseil. Travaillez, travaillez comme si c'était défendu. Eh bien, Hugo travaille comme si c'était interdit. C'est le temps où les œuvres s'accumulent, où les œuvres suivent les œuvres, les poèmes sans cesse. Je ne vous donne pas régulièrement les titres des poèmes de Hugo, des livres de poèmes de Hugo. J'aurais dû citer déjà les Orientales, recueil si original, avec une forme si neuve, si moderne. Vraiment le romantisme en action, les vers romantiques en action. Mais il y a surtout le théâtre. Il y a Le Roi s'amuse. Et Le Roi s'amuse, qui est joué à la Comédie-Française encore, c'est le théâtre décidément de Hugo, est interdit encore par la censure. Alors il enrage Hugo. Comment ? Le roi précédent, Charles X, interdit Marion Delorme, et voilà que ce roi-là, qui est soi-disant le roi des Français, enveloppé à la fois dans un parapluie et dans un drapeau tricolore, Louis-Philippe, eh bien Louis-Philippe fait interdire Le Roi s'amuse. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que l'on voit dans cette pièce une grande dame se donner à ses laquais. Et ce n'est un secret pour personne que la mère du roi Louis-Philippe, la duchesse de Chartres, avait des faiblesses pour ses palefreniers. Alors voilà comment et pourquoi, dans un régime, sous un régime de liberté théorique, eh bien, on interdit une pièce. Hugo, fou de rage, on a joué sa pièce qu'une seule fois, attaque la Comédie Française devant le tribunal de commerce. Il ne peut pas attaquer le roi, ça n'est pas possible. Alors il trouve ce subterfuge, le tribunal de commerce. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il déclare qu'il gagne sa vie avec sa plume, et que dès le moment où on l'empêche de faire jouer sa pièce, on porte atteinte à ses moyens d'existence, donc tribunal de commerce. Et on plaide. Il a théoriquement un avocat, mais c'est lui qui prend la parole. Et ce qu'il dit est admirable, extraordinaire. On découvre que cet homme, poète immense, romancier unique, dramaturge sublime, eh bien cet homme-là est également un très grand orateur. Il va parler pendant 2 heures. Et simplement dire « Qui êtes-vous, messieurs ?» Ce messieur s'adresse au roi. « Qui êtes-vous, messieurs ?» Vous avez pris le pouvoir en 1830 au nom de la liberté. Bravo. Mais que faites-vous de cette liberté? Vous deviez détruire la censure, elle existe toujours. Vous deviez donner des droits au peuple, vous ne les avez pas donnés, etc., etc. Vous imaginez, quand on s'appelle Victor Hugo, ce qu'on peut dire sur un tel thème. Et il termine par une comparaison d'un très grand courage, disons-le. Il compare le régime de Louis-Philippe et celui de Napoléon. Et il dit, Napoléon, c'était un grand homme. Il a supprimé la liberté.
Nous n'avons plus le grand homme. Donnez-nous au moins la liberté. » Hugo perdra son procès, il l'avait toujours su. Ce n'est pas pour ça qu'il avait fait son procès, mais une fois de plus, on ne parle plus que de Hugo. C'est vraiment, depuis des années maintenant, l'homme du jour, Hugo. Et une fois de plus, on répète quel homme heureux c'est Hugo. Et une fois de plus, nous devons dire, il est toujours l'homme le plus malheureux. Alors les œuvres, toujours, il écrit. Mais quand l'après-midi s'achève, il est avec ses enfants, maintenant il habite place des Vosges, l'argent est venu, il a un très bel appartement, la place à l'époque s'appelle la place royale, les enfants ont grandi, et à la fin de l'après-midi, quand sa femme n'est pas là et quand les enfants lui disent « Papa, où est maman ?» Imaginez ce que peut ressentir Hugo. Et quand une voiture s'arrête devant l'immeuble et quand une femme en descend qui est la sienne, quand elle ne dit pas d'où elle vient, que jamais il ne lui demande rien, nous pouvons aussi savoir ce qu'a pu ressentir Hugo. Alors il vient d'écrire une nouvelle pièce, un drame en prose, c'est sa première pièce en prose. Lucrèce Borgia, c'est un grand thème romantique évidemment. Et comme il est furieux de ce qu'a fait la Comédie Française avec le roi Samus, il ne donne pas la pièce à la Comédie Française, il la propose à un grand directeur de théâtre, M. Harel, directeur de la Porte-Saint-Martin. Et Harel, ravi, accepte la pièce tout de suite. Et il va proposer à Hugo une très belle distribution. Le principal rôle masculin, Frédéric Lemaire. Mademoiselle Georges pour jouer Lucrèce Borgia. Mademoiselle Georges est une femme qui approche la cinquantaine. Mais à cette époque-là, ça n'a pas d'importance. Elle est surtout une sorte de monument historique. Tout le monde sait qu'elle a été la maîtresse de Napoléon Ier. Et arrive le jour de la lecture dans le foyer du théâtre. Alors les acteurs sont là, assis sagement sur des chaises, une petite table, une chaise pour M. Victor Hugo. Harel présente la distribution, M. Frédéric Lemaître, Mademoiselle Georges. Et voilà une jeune comédienne de 26 ans qui doit interpréter un petit rôle, celui de la princesse Negroni. Et Harel présente cette jeune personne à Victor Hugo, Mademoiselle Juliette Drouet. Voici un extrait de Notre-Dame de Paris. Quasimodo dans les tours de Notre-Dame. Quasimodo avait donc 15 cloches dans son sérail, mais la grosse Marie était la favorite. On ne saurait se faire une idée de sa joie les jours de grande volée. Au moment où l'archidiacre l'avait lâchée et lui avait dit « Allez !», il montait la vis du clocher plus vite qu'un autre ne lui descendit. Il entrait tout essoufflé dans la chambre aérienne de la grosse cloche. Il la considérait un moment avec recueillement et amour, puis il lui adressait doucement la parole. Il la flattait de la main comme un bon cheval qui va faire une longue course. Il la plaignait de la peine qu'elle allait avoir. Après ses premières caresses, il criait à ses aides placées à l'étage inférieur de la tour de commencer. Ceux-ci se pendaient au câble, le cabestan criait et l'énorme capsule de métal s'ébranlait lentement. Quasimodo, palpitant, la suivait du regard. Le premier choc du battant et de la paroi d'airain faisait frissonner la charpente sur laquelle il était monté. Quasimodo vibrait avec la cloche. « Va !» criait-il avec un éclat de rire insensé. Cependant, le mouvement du bourdon s'accélérait, et à mesure qu'il parcourait un angle plus ouvert, l'œil de Quasimodo s'ouvrait aussi de plus en plus phosphorique et flamboyant. Enfin, la grande volée commençait.